Salut, c'est Rémi Bigot pour le Monter son Business Show, l'émission vidéo qui aide les entrepreneurs à créer et à développer leur activité. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que c'est le mois d'août, donc on va faire un épisode très très simple sur un petit peu pourquoi vous devez prendre du recul. Vous allez voir, c'est très très intéressant. C'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce joli mois d'août, nous sommes toujours dans la ville de Cannes pour se monter son business show. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé cette semaine depuis mon dernier show et puis aussi d'un petit peu ce qui, je pense, est très important de faire quand on est dans un mois un petit peu creux comme ça, comme le mois d'août, parce que c'est un moment idéal pour vous poser, réfléchir à votre business et peut-être trouver de nouvelles idées. Mais avant de commencer, je voulais vraiment déjà vous remercier pour deux raisons. Une, deux. La première raison, c'est vraiment le retour que j'ai eu suite à mon mail de la semaine dernière où j'ai parlé à pas mal de personnes, où j'ai envoyé ma vidéo de la semaine dernière justement, où j'expliquais un peu l'évolution du Monter son business et l'évolution du show. C'était un show un petit peu particulier parce que voilà, c'est une période, comme vous le savez, qui est un petit peu creuse. Donc j'en profite pour faire des vidéos un petit peu plus cool, on va dire, un peu plus détendues. Donc j'espère que ça vous plaît quand même, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous déplaît ou si vous aimez, si vous préférez celle-là peut-être, on ne sait pas. Et puis la deuxième raison pour laquelle je voulais vous remercier, c'est parce qu'on vient de passer, alors là c'est vraiment un chiffre incroyable, je suis surpris moi-même, j'aurais jamais cru, on vient de passer les 100 000 vues sur la chaîne. Et pour cela, je voulais vous dire un grand, grand, grand merci. Alors, j'ai pas de cadeau à vous offrir pour ces 100 000, mais sachez que pour le prochain milestone, le prochain, allez, je dirais aux 500 000, il faut qu'on organise quelque chose. Il y a aussi un truc qui est super important, on est pour l'instant à un peu moins de 700 abonnés, donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, chaque semaine, vous recevrez de nouvelles vidéos et vous pourrez créer, développer votre activité. Ce mois d'été, ce mois d'août est vraiment super intéressant, je trouve, parce que, comme vous le savez peut-être, la France vit un petit peu au ralenti. En fait, on dit la France, mais je pense que c'est le cas pour la plupart des pays du monde, peut-être, hormis peut-être la Chine, qui est plutôt en arrêt pendant la nouvelle année chinoise. Mais voilà, c'est vraiment une période, je trouve, qui est idéale pour travailler, pour se poser, pour couper un peu tout votre iPad, votre téléphone, votre ordi, et pour réfléchir un petit peu sur votre activité, où vous en êtes, quelles sont les choses que vous avez réussies durant l'année, quelles sont les choses sur lesquelles vous avez échoué encore, qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Bref, travailler un petit peu sur vous et votre projet. Et je pense que c'est génial parce que c'est une période qui vous permet de prendre un petit peu de recul. Et ça, j'aimerais vraiment attirer votre attention là-dessus. En tant qu'entrepreneur, parfois on oublie de prendre du recul. Et je pense que c'est vraiment une erreur en fait. On est souvent dans l'action, ce qui est très bien. D'ailleurs, je préfère que vous soyez dans l'action que dans l'inaction pour le coup. Mais c'est vrai que parfois, on a vraiment ce manque de recul et du coup, on a un peu la tête dans le guidon, on se pose peut-être parfois les mauvaises questions et du coup, on n'apporte pas les bonnes réponses automatiquement puisqu'on ne pose pas les bonnes questions. Je pense que c'est un bon moment pour vous poser un petit peu, pour réfléchir un peu à votre business, à ce que vous faites, à votre place dans votre entreprise et peut-être vous dire, c'est peut-être le bon moment pour dire, bon, je vais changer un petit peu les choses, je vais faire autrement. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire pour MSB parce que je suis en train de changer complètement. Jusqu'à présent, moi, depuis 2003, j'accompagne des entreprises. Je les aide à développer leur activité grâce à Internet. Et c'est vrai que cette activité de consulting, je l'ai beaucoup aimée. J'ai vraiment passé de belles années avec ça. C'est quelque chose que je n'ai plus envie de faire aujourd'hui. J'ai envie de passer à autre chose. Et c'est pour ça que Monter son business change. C'est parce que j'ai envie de créer vraiment une plateforme où les entrepreneurs vont venir pour pouvoir consommer de l'information. Donc, ça sera de l'information gratuite via les articles, via les vidéos que je suis en train de faire pour vous, via pas mal de choses. Et il y aura également aussi une partie payante où là, les gens pourront acheter peut-être pour aller plus vite en fait ou pour avoir des informations plus précises sur un sujet particulier. Et là, ça leur évitera peut-être de perdre du temps et d'aller beaucoup plus vite à l'information. Voilà un petit peu. Donc, c'est pour ça que je me suis posé un peu. J'ai pris une feuille de papier. J'ai dit qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire? Et comment je vais faire pour améliorer tout ça? Et c'est aussi pour ça que je vais avoir maintenant des personnes qui vont m'accompagner. Je salue encore une fois Angeline et Cédric qui participent pas mal au projet actuellement. Et c'est vraiment génial parce que ça va me débloquer du temps pour pouvoir faire ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est-à-dire continuer de produire du contenu comme ces vidéos ou du contenu également payant que je vais pouvoir vendre à mes différentes cibles identifiées. Donc j'espère que vous aussi, vous allez mettre en place une action, vous allez prendre un petit peu de recul sur votre business. Dites-moi en commentaire quelle action vous allez faire précisément pour développer votre activité à partir du mois de septembre.
Je voulais vous dire encore un grand merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur le montersonbusiness.com. Bravo pour les 100 000, c'est grâce à vous. Bon, alors bien entendu, dans cette petite vidéo, j'ai pas pu tout vous dire hein, sur cette partie un peu, sur ce mois d'août, sur ce beau mois de septembre qui arrive bientôt. J'espère que vous allez prendre un petit peu de vacances aussi pour pouvoir prendre du recul. C'est intéressant de changer un peu d'environnement, voir un petit peu plus votre famille, bref, passer un petit peu à autre chose pour pouvoir revenir encore plus boosté avec la patate pour la reprise et pouvoir mettre en place des choses qui vont vraiment vous faire passer à la vitesse supérieure. En tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Monter Sans Business Show et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. À très vite.